Ali Bongo Ondimba, fils du dictateur Omar Bongo Ondimba et actuel président illégitime du Gabon, s'est livré à un exercice plutôt triste au regard de son état de santé. Ali Bongo Ondimba inspire la pitié ainsi que la cupidité d'un homme. Il préfère mettre en péril sa santé juste pour se maintenir au pouvoir. Comme si, au Gabon, il n'y avait plus d'hommes et de femmes valides, capables d'assurer la continuité de l'État. Comment peut-on expliquer qu'un homme visiblement affaibli par la maladie et qui peine à se tenir debout, modifie la constitution afin de se maintenir au pouvoir. Il appartient au peuple gabonais et à sa classe politique consciente de prendre des décisions courageuses pour mettre un terme au règne de la famille Bongo qui pille sans état d'âme les caisses de l'État. Let's go.